Et je suis doctorante au sein du département de la recherche de l'INSEP. Je réalise ma thèse en nutrition du sport. Dans le cadre de ma thèse, en plus de mes travaux scientifiques, je fais partie de la mission nutrition qui regroupe des diététiciens. La mission nutrition a pour but d'éduquer les athlètes de l'INSEP sur le point de vue nutritionnel, aussi bien sur l'équilibre alimentaire que sur la nutrition de l'entraînement et en compétition. La mission nutrition a développé en plus de ses actions une application appelée NutriInSEP. L'application NutriInSEP, donc, elle a été développée dans le cadre de la mission nutrition qui a été mise en place en 2011. Ça fait partie des projets. Et cette application, elle vise à aider le sportif, à l'accompagner dans ses choix alimentaires pour la récupération en particulier. J'ai découvert NutriInSEP il n'y a pas longtemps. J'ai téléchargé et franchement, ça m'aide beaucoup. Voilà, vu qu'en gymnastique rythmique, on a besoin de justement surveiller notre poids, tout ça. Donc franchement, c'est un bon outil et ça aide beaucoup. NutriInSEP, ça n'a rien changé. On s'est simplement adapté à la demande qui a été faite. Secteur de la nutrition qui permet d'apporter gérer le bien-être au quotidien des sportifs. Voilà, ça ne nous a rien changé, voilà, ça a juste changé notre façon de travailler et adapter vraiment les produits recherchés et demandés par le service nutrition. Je pense que ça peut être un bon moyen pour les sportifs d'avoir une base de repères pour bien s'alimenter, assez boire pendant les les différentes phases après l'effort, avant l'effort. Je pense que ça peut être un bon repère parce qu'on n'est pas souvent informé là-dessus et là au moins c'est une prise en charge individuelle et personnalisée. Ça peut être bien.